Oh, en fait, c'est des dortoirs du. Genre là, on est chez les Poufsouffles. Vous connaissez le rituel, hein? Voilà, hop. On choisit au hasard, on pisse pas sur le lit de tout le monde. Franchement, moi je pense que je suis un mec bien. Je fais pas pipi sur tous les lits, vous voyez? Je prends au hasard, tu vois? Slash me, pisse sur le lit. Voilà. Ah. Je marque mon territoire. Un petit dernier. Voilà. Ok, les gars. Un vrai petit délinquant. Marcher. Il y a une salle d'attente là-bas. Désolé, là, ouais, je suis un peu déprimé, frère. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as appelé frère? Attends, c'est voir! Tu viens de m'appeler frère là? Non, mais c'est une façon de parler, tu sais. Genre, moi j'appelle tous mes potes frères ou encore. Tu m'as. Ah, je suis ton pote? Tu m'as friendzoné là? Non, t'es. Écoute, écoute, Mustapha, écoute, toi tu es plus qu'un pote. On m'a toujours t'es dit. T'es un super pote! Considère ton homme. C'est vrai que ouais, ton mec, ça doit être ton il pote en même temps. Discuter. Je suis d'accord de fou. Ah, bon, on est ici pourquoi alors? Allez vous inscrire pour l'entraînement. Très bien, très bien. Grius. Oui. Je sens Grius. À la fin que vous auriez envie de tout ranger. Bonjour à vos jeunes hommes. Donc je vous en prie de vous inscrire. Quoi? Ah, le bâtard! Mais bien bonjour, non, monsieur. Non, ah, le bâtard! C'est le monde des sorciers. Je dois tout ranger. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ah bon? Bon, bonjour à vos jeunes hommes. Bonjour. J'aimerais de signer votre nom et votre prénom, tio. Mustapha Grius. Et moi, je vais prendre un filet au fish. Alors, souvenez-vous d'un des Big Mac, si vous. Ah non, j'ai que du poisson, s'il vous plaît. La nourriture est offerte. Ah, super. Une affiche, très bien, je vous ramène ça. Donc, cet entraînement sera proposé par le ministère. Un entraînement officiel, suivi par les personnes voulant devenir Aurore. Pourrait tout de suite déterminer si c'est la voie qu'il vous faut ou non. Oh, je suis un Aurore, moi. Nous allons envoyer chacun d'entre vous, dans l'ordre, passer ce test ultime. Ce test que seul l'élite pourra remplir. Vous serez tous chronométrés. Celui qui aura réussi le parcours, le labyrinthe, ainsi que trouver le bouton le plus rapidement, aura une récompense énorme. Vous n'êtes même pas prêt. Bon, très bien, alors. Pique-nique douce et toi lentouille. Monsieur Griouch, allez. Ah Monsieur Griouch, c'est vachement. D'accord, je dois commencer et tout. Allez, monsieur Griouch. Ok, attendez. Attends, Mustapha. Tu vas me faire un bisou, du courage. Exactement, t'as tout compris. Vas-y. Bon, c'est bon, attendez, je fais un petit peu de. C'est par là, monsieur Griouch. Ah, d'accord, je commence mal. Ouais, moi j'attends le. What you night? B, let's go. C'est parti, monsieur Griouch. Allez, comment on passe? Eh, t'es claqué au sol. Attendez, monsieur. Ah bon, non. Mais votre parcours, il est cassé. Je suis bloqué. 911. Et dis-moi. Allez, monsieur Griouch, je vous attends. Tchut. Ok, mince, droite ou gauche, je suis indécis, je sais pas ce que je dois faire. Ma mère m'a toujours dit tu manges avec la main droite. Non, ça doit être à gauche. Mais c'est incroyable. Oh punaise, du cimetière. Je dois aller où? Il y a un bouton. Il a dit il y a un bouton. Trouve un bouton. Ok. Oh mais c'est trop dur. Allez-y, monsieur Griouch, confortez-vous. Ah, oui. Allez-y, sortez. Oui, vite. Théo. Ouais, je suis Olivander, ça va ou quoi? Monsieur Griouch. Eh, le parcours, il était incroyable. C'était tactique. D'accord. Vous avez vu, monsieur Griouch? Tout a été fait par moi. Vous êtes incroyable, monsieur, c'est trop bien. Monsieur Griouch. Attendez. Vous avez fait exactement 1 minute 37. D'accord. Félicitations. Ah, punaise, incroyable. Il est fou, ce prof. Merci, merci. Votre spécialité. Je vais vous recruter sur le membre du ministère. Ah ouais? Ah, incroyable, ça fait plaisir. N'hésitez pas, monsieur Arthur, quand même. Si, non, il a minimisé. Les choses, je dirais même. Tout est géré. Trop bien, je vais travailler au ministère. Ah, j'ai toujours rêvé de travailler dans un bureau et de boire du café et pouvoir aller aux toilettes quand je veux et pas avoir des chaussures de sécurité. Vous avez fini? Je vais finir à mes préfets, monsieur Griouch. Ah! Je sais pas ce que t'es parti chercher. Je sais pas non plus. Putain. Attends. Ah oui, je suis allé. Quoi? Non, tu l'as pas apporté de cracher, je m'approche pas. Non, viens, je vais pas cracher, je te jure, je crache pas. T'as juré? Ouais, vas-y, je te jure. Vas-y, je t'écoute. Prochaine fois qu'on se voit, moi et toi, ça va pas être hé, viens. Viens. Quand l'épreuve elle est finie, je vais te mettre dans un des hangars là-bas. Tellement je vais te taper, tu vas devenir un pouf souffle. Là tu cours, vas-y, il faut les bouger. Je vais faire de toi mon balai avec ta vieille coupe. Tu ressembles à Snoop Dogg, mon gars, tous parler. Oui, il y a un professeur. Pardon? Vous avez entendu, monsieur le professeur? C'est tout de suite. Oui. Venez avec moi. J'adore. Non mais... Oh! Il est là. Discrètement. Attendez. Voilà. Oh!
Je voudrais jamais être puni par vous. Ah, oui, c'est toute ma scolarité. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Wow. Ouais, je suis l'énervé le prof. Gros, tu t'es fait chiffonner par un prof, t'es parlé avec moi. T'es moi, je te marche dessus, t'es le mot, t'es un esclave. Gros, je te jure, c'est toi qui peux être mon esclave, mon gars. Y'a rien, monsieur. Monsieur, vous avez entendu ce qu'il a dit? Mais le monsieur a dit, je marche sur votre tête parce que vous êtes un esclave. Vous avez bien entendu, monsieur Clover? Comment ça, je marche? C'est raciste, tu dis ça parce que... Raciste. Raciste. Vas-y, dis-moi. Et bah alors, tu l'as piqué? Mais je l'ai jamais piqué, elle a toujours été à moi. Ah ouais, ah bon? Mais en même temps, ça fait depuis un moment. Attends, regarde, c'est War. Est-ce que je t'ai piqué à quelqu'un ou tu l'as toujours été destiné à moi? Alors, il n'y a pas de joker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre? Ça veut dire que je t'ai piqué? Oh! Est-ce que c'est possible d'avoir un Doliprane? Il est là, putain. Ah, ça pique, hein. Ça va, mon ouais, ça va. Tu sais comment on dit? Tu t'es pris un canapé dans la gueule. Viva l'Algérie. Attends, tu veux... Mon staff, ouais. Une question. Est-ce que ça te dirait d'aller boire un whisky après au lard? J'ai gueulé, qu'est-ce que tu vas dire? Eh, j'ai 11 ans, tu me parles des whisky? T'inquiète, en deuxième année, le whisky, je connaissais déjà. Moi, je veux bien du jus d'orange de pomme, c'est mieux. Jus d'orange de pomme. Bah ouais. Le blé là. Mais ouais, avec plaisir, on va là-bas. T'as jamais vu, tu connais pas le jus d'orange de pomme, jus d'orange de banane, jus d'orange de deux oranges. C'est des boissons que tu trouves complètes, ça. Oui, bah oui. Oui. Monsieur Grioche, suivez-moi. D'accord. Ah, je vous suis aussi. Moi, je prends des coups de pression. Allez. Moi aussi. Monsieur Grioche. Oui, monsieur. Ne bougez pas, je vais faire un tour de magie, vous allez être téléporté. J'espère il est pas au courant que j'ai fait pipi dans le dortoir des Poufsouffle. Oh, j'espère il est pas au courant que... J'espère ils ont pas des techniques d'ADN pour détecter que le pipi d'une personne. Ils vont faire des trucs bizarres. Hein. Wow. Soyez sûr de vous. Ouais, ouais. Au revoir, ça a été un plaisir. Si je disparais et je reviens plus jamais... Ah, ouais. Salut mon ref. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous explique. Monsieur Griouche ici présent, vous avez fait un score d'une minute 37. Monsieur Mokhtar ici présent, vous avez fait un score d'une minute 37. Oh, les grands esprits se rencontrent en combat de boxe. Ah ouais. Oh, légendaire. Combat de boxe. Griouche, je suis désolé, mais je vais pas y aller de même mort, mon gars. Cuse de l'avance. Combat de boxe. Attention. Position. Mettez-vous en position. Griouche, je vais te défoncer, mon gars. Ah, t'es un homme mort, t'es va voir. Griouche, laisse pas gagner, frérot. En fait, faut que je pré-shot ses mouvements. Oh, Griouche. Ich, ich. Allez, Mokhtar. On m'appelle Abdoul Ali. Je vais gagner, frérot, je vais gagner. Contre Serpentard, ce combat est légendaire. Wouh. Wouh. On m'appelle Mustapha Griouche. Mimi. Ah ouais, on rigole pas, nous. Exactement, il dit professionnel. Allez, à côté quand même, vous êtes la victime un peu. Et ouais, c'est celui qui lève le bras. Faut que je me mette au milieu là, du coup. Qui a gagné? Très beau, prends la main du vainqueur. Mais monsieur Griouche, qu'est-ce que c'est que cette pose un peu nulle là? Attendez. Comment ça, elle est nulle, ma pose? Allez-y, on fait la photo. Parfait. Elle est légendaire. Non, après, je vais avoir du problème. Faites une photo à deux. Ouais, on fait une photo à deux. Oui, c'est bon. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est bon. Ah oui. Parfait. Bah, monsieur Willy, vous êtes le vainqueur. Monsieur Mokhtar, vous pouvez partir. On a plus besoin de vous. Vous êtes perdant. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Non, attendez. Monsieur Mokhtar, c'était un combat honorable et ça a été un plaisir. Il s'en bat les couilles. Vous venez de gagner le lot le plus légendaire possible. Mais non. C'est quoi ces des baguettes? Eh, j'ai juré, je suis obligé de devenir le sorcier le plus puissant des élèves avec une baguette comme ça. Monsieur Griouche, pour avoir gagné le parcours offert par le ministère, le ministère lui-même vous offre cette baguette. Waouh, baguette cristal bleu. Ouvrez-la avec. Vraiment, j'ai le droit vraiment. Délicatesse. OK, d'accord. Oui. Hop. Avec votre directeur de maison, il peut vous féliciter. Félicitations. Merci. Je vais vous serrer la main. Attention, félicitations, jeune homme. Serrez-moi le doigt. C'est bien, monsieur Mokhtar. Vous allez serrer mon bâton. Ah non, ça va aller. Il a l'air très brillant. J'ai pas besoin de le cirer. Ça va aller, monsieur.
bien dans ces cas-là, alors. On est bien clair. C'est réglé. Monsieur Brix, oui. Cet élève de votre maison a remporté avec brio le programme d'entraînement offert par le ministère et a remporté une baguette. Attendez, il va vous la montrer quand même. Vous êtes prêts? Vous voulez voir ma baguette? Vous allez être choqués. Allez-y. Oui, bah, j'imagine. Baguette. Incroyable. Elle est magnifique. Tu vois les petits bouts là, comme ça là? Les pendos! Wow. Incroyable. Ça a rien changé. Quoi? Si, ça, ça a changé dans nos cœurs. Ça a changé dans nos cœurs. Exactement. Mais je peux pas les, je peux pas les critiquer. C'est des professeurs incroyables comme ça, vous, c'est monsieur. Un futur préfet de ma maison. Ouais, du coup. Bon usage de votre doigt, monsieur Gaillouche. Oui, bien sûr. Je l'userai avec modération et bon escient, monsieur. Vous avez de la chance parce que je sais pas comment le retirer. Alors vous pouvez partir. Trop bien. Moi j'y vais, hein. Je vais profiter de ma journée. Oui, oh les gars, on a gagné un doigt d'honneur. Regardez ma baguette. Elle est pas incroyable, la baguette. La mûrie, viens, on va lui montrer ce que c'est la bière au beurre. Non, non, surtout pas, c'est en première année, il y a pas de bière au beurre. Je te jure, depuis le début, il veut faire boire ce fou. Vas-y, Mustapha, continue l'histoire. J'ai pas fait ce que vous pensez, regardez. Ça fait plaisir de te voir à chaque fois, ta grosse tête de kiwi là. T'as vu ta tête de kiwi toi? En plus, c'est pas un kiwi, c'est une partec. Regarde sa tête de suppositoire. Tu peux que l'apprécier, c'est obligé, tu vois. Suppositoire, c'est lui plutôt le suppositoire. Oh là, il me finit, il me tue, Samy. T'as vu sa petite voix, toute douce, pleine de mélancolie. Tu peux pas ne pas l'aimer, t'es obligé. Mmh. On est d'accord, tu comprends voilà, pourquoi je l'aime voilà. Bien. Oui, oui, oui. Là, il va y avoir du glagla. Du glagla. Apouloulou, apouloulou.